Anatole Koulini-Makossou, Pierre Mabiala et Hermela Dessini-Doukaga ont animé une rencontre citoyenne avec les ressortissants du Niari dimanche à Pointe-Noire dans la grande salle de l'hôtel Le Ruisseau. Une rencontre au cours de laquelle les trois membres du gouvernement ont demandé aux ressortissants du Niari de s'unir autour de la candidature de Denis Sassou Nguesso en tant que candidat naturel de ce grand ensemble départemental le 21 mars prochain. La campagne fut lancée, la candidature du président fut annoncée dans la localité. Mais c'est le département. C'est dans un village que le président pose cet acte de grand envergure. C'est fort. Comme en 2015, le Niari a encore été au poussin. Mise en l'honneur, comme en 2015. À l'honneur, parce que le combat pour la réforme des institutions est bien parti du département du Niari. Nous devons savoir prendre l'ascenseur à celui-là qui nous fait confiance. Les trois ministres ont tour à tour rappelé à leurs ressortissants les réalisations de Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir. Des réalisations qui se résument autour de la construction des infrastructures de base et du maillage du pays en boulevard énergétique.